Pas trop de soucis sur la route. Nope. Hey, tu l'as commencé tôt ton stream, 9h, j'aurais pas cru. Oui, je me suis réveillé à 7h30, je crois, ce matin. Donc, autant faire 2-3 bricoles de ménage et de me rafraîchir, faire ma toilette. À 9h, je lançais. Comme tu disais hier soir que tu te couchais assez tard et que tu aurais du mal. Parce que je me suis vite endormi, en fait. Quand je me suis mis en mode la tablette pour t'écouter dans le deuxième épisode du vol de l'Amazon, en fait, j'ai quasiment rien entendu. Je t'ai dû entendre dire deux phrases et juste après, moi, j'étais déjà en train de scier des bûches. Donc, c'est très bien. Très, très bien. Et à un moment, j'ai crié et je t'ai réveillé. Alors, heureusement, ça s'est pas produit. Non, je n'ai pas beaucoup crié sur le vol d'Amazon. Il n'y a pas de raison de plus. Voilà, n'hésite pas à dire quand tu auras fini de préparer le serveur, mon cher EJ. Merci à toi de nous héberger. Alors, re-bonjour à toutes et toutes. Voilà, on discute entre copains, puis on oublie de saluer le public. Oh là là, je suis vilain. Est-ce que c'est grave? Bah, pour le diffuseur, c'est moche. Par rapport à son public, c'est pas joli. Mais oui, on va se faire, donc, comme prévu, le mini-golf, Golf Around. Bienvenue pour ceux qui regardent la VOD, la vidéo à la demande. Vidéo on demand en anglais. Bonjour. Re-bonjour pour certains. Re-Dragon Sky. Voilà, il y a déjà Nash, aussi Nash Elman dans la vocale Fun Fan et Edge Club. Et Edge Club a la particularité, le Benjamin de l'équipe, d'avoir la gentillesse d'héberger le serveur de jeu. Pourquoi ? Parce que Edge, malin comme il est, a téléchargé pas mal de cartes dites de la communauté. Ce qui veut dire que les cartes que nous avons jouées hier, pour ceux qui me suivent en direct, seront pas les mêmes. On avait fait hier les cartes du jeu. Et là, pour varier les goûts, les couleurs et les plaisirs, nous allons nous lancer dans des cartes inconnues. Enfin, surtout pour moi. Je sais même pas si AJ a pris le temps de les essayer en solo. Oui. Ah ! Il aura peut-être un avantage. Peut-être. Alors, attends, je rafraîchis. Alors, je vois Golf Brink et Yololo. Wololo, c'est moi. Ah, c'est toi, Wololo. Oui. Faut se connecter à Wololo. Wololo. Merde, j'ai... Ah non, ça va, j'ai eu peur, j'allais dire, j'ai montré le mot de passe, mais non. J'ai eu des boules, j'ai cru que je l'avais. Alors, l'image du jeu, 16/9. Voilà. C'est classe. Ah, peut-être un petit fond musical, c'est vrai, le Winamp. Bah, pareil, il y a de l'ambiance et de la musique dans le jeu, donc je sais pas. Ah, merci. Ok, bon bah je mets rien. Tu fais bien de me le dire. Après on peut regarder avant de mettre de musique, parce que ça dépend des cartes. On verra. Ah, 1980, 1980. Ouais, ouais, je suis bon. Moi, il faut que je regarde mon chat, ça peut être sympa de répondre coucou. Au chat. Ah, coucou, J'attends Dragon Sky. Oh, le trou de mémoire. Twin Sen, pardon. Oui, le chat que je vois. J'arrive à la prochaine partie. Ouais, ouais, bien sûr, Twin Sen, bien sûr. Ah, pas de soucis. Twin Sen, toujours en retard pour pas changer. C'est ici pour jouer à American Truck Simulator. Oh, qu'il est bête. Mais qu'il est bête. N'importe quoi. En attente de l'autre. Je crois que tu peux lancer, les autres rejoindront. Hein. Peut-être même que Christella nous rejoindra tout à l'heure. Il y a Dragon Sky qui arrive, donc je veux. Ah, pardon. Oui, tu fais bien. Tu fais bien. Voilà. Tu trouves Dragon Sky ? Le petit Dragon Sky est demandé à l'accueil. Le petit qui crache du feu et vole dans le ciel. Merci. Le dragon du désert est appelé à l'accueil. Il a désactivé son micro. Hein. Oh. Ah, il crache dans le désert. Il va être en train de chercher Frobose, je pense. Ouais. Où est le Chito ? Où est le Chito ? Où est le Chito, ouais. Ou les deux, ça va. Ou El Shit Bob. Ah oui, El Shit Bob. Lui, c'était le frère de El Chito.
En fait, c'est comme le MCU, quoi. C'est ça. Le fun fan universel, je sais pas quoi. Fun fan cinematic universe. Ouais, avec Docteur Boutique, Léo Tech. Le FSU, fun fan universe. Il y a moyen de faire un truc avec tous ces personnages. Et Saint-Nicolas Sarkozy, ne l'oublions pas. Je lui ai rendu hommage sur Minecraft, t'as vu ? Oui, j'ai vu, ouais, ça m'a fait rire. Maintenant, il est sur Minecraft, le sac, il va encore plus avoir du mal. Hein. S'il le croise, il va le tuer direct. Non, tu vas me créature. Non, j'irai pas le tuer, mais rien ne m'interdit de le mépriser. Tu peux, il n'y a aucun problème. Après, un incident est si vite arrivé, comme on dit. Oui, une flèche qui a été tirée au hasard, comme pour la chèvre. Non, la chèvre, j'ai tabassé à main nue, c'est pas pareil. Ouais. Bon, avec un peu de chance, vu le temps que Dragon Sky arrive, Twin Sense sera là, d'ici. Ah, sinon, commencez, n'attendez pas. Ouais, on va peut-être commencer, et puis c'est pas grave, Dragon Sky nous rejoindra avec Twin Sense pour la suivante. Ouais, okay. Voilà. Sans offense, oui, parce que là, on poirote un peu trop, alors pour le public, il y en a peut-être déjà qui ont déjà zappé. Sauf si tu fais un montage pour YouTube, sinon... Je prends pas le temps de faire des montages. Les seuls montages que je fais, c'est les clips et ça devient une compile. Voilà. J'ai déjà chargé Nananer. Moi aussi, je fais pas des montages, mais je fais du découpage par Twitch et ça marche très bien. Le temps qu'on fasse les 18 routes, une scène, tu vas peut-être lancer la plateforme et puis le jeu. Je dis bien de découpage parce que si je dis montage, j'ai Twinsen qui va me râler dessus. Et là, il peut pas dire le contraire, c'est bien du découpage. Ça lui plaise ou non? Je vais peut-être équilibrer l'éclairage de ma tronche avec la lampe, comme d'hab. On verrait peut-être mieux. C'est ça qui est faux dans le truc de Twitch, c'est que tu peux découper que dans un sens, dans le sens de la vidéo. Tu peux pas mettre C avec A. Non, tu dois faire A, couper B, tu fais C. C'est dommage. Tu peux faire quand même comme tu le souhaites. Welcome to the hall of the left side. Mais bon, on va pas se plaindre, on a déjà... On commence gentil avec un parcours facile, voilà, pour mettre en bouche, comme on dit. Oh. Merci. Moi, il faut que je vérifie si ça lag pas trop. Avec des perroquets. Exactement. Pour le moment, ça lag correct. Bah oui. On est pas dans les billes. La balle de golf noire de Nashavman. Le sage est un explorateur, j'imagine. Oui, un colonialiste. Et moi, je suis un viking. Quoique, tu vas me dire, on a une balle noire et on a un colonialiste. Oh, non, ça se fait pas de faire ça. Ouais. Même moi, je n'aurais pas osé. J'ai une traînée arc-en-ciel. J'ai fait de mal dire le mot. Ah, il y a des petits pingouins au loin. Il y a des petits pingus. Papa pipa li pidipo. Alors tu verras, Nashavman, que la physique du jeu peut te faire des tours. Pour un tour avec toi, que ferait n'importe quoi. Pour un tour avec toi. Faudrait que Bastos valide, notre spécialiste en musique française. Oui, puisque c'est un flirt. Mais je l'ai fait exprès. Je sais. Oh, Nash en un coup, GG. Et c'était Michel Delpech. Aïe, le moment où je me suis trompé sur la chanson, ça l'a fait rire. Ah oui, non mais on, à ce moment-là, tu lui as déclenché un fou rire. Ah ouais. J'ai confondu Gérard Lenormand avec je sais plus qui. Oh, merde, j'ai des saccades. Je vois mon retour, il est pas bon. Il faut que je change la priorité de l'OBS. Merdoum. Attendez. Oula, je suis mal placé, moi.
Ah, bah d'accord, je crois qu'il ne viendra pas avec vous, Dragon Sky, puisqu'il vient de lancer son stream. Non, mais il diffuse en même temps qu'il joue avec nous, il fait double canal. C'est pas interdit, hein, il peut. Ah oui, mais ça... C'est comme il a coupé le son ici, je comprenais pas trop... Parce qu'avec un peu de sang, un sens, vous aurez une image plus fluide du côté Dragon Sky si vous voulez suivre sa progression. Par contre, le problème, c'est qu'il aura pas le son de la vocale, ça, c'est couillon. On peut pas le partager. Ah bah si, je suis con, il a qu'à se connecter. Mais que je suis bête. Je suis bête. Alors attendez, inférieur à la normale ou supérieur à la normale? Je sais jamais quel est le bon. Le sage, il y a un temps imparti. C'est exact. Merci, AJ. Après, j'aurais pu te laisser et te faire perdre 12 coups. Mais bon, je suis sympa. En conscience professionnelle, je m'appliquais un temps à partie pour pas faire trop poireauter le public. Vous entendu, je le fais pas parce que je suis meilleur que le sage. Il est horrible, ce truc. Ah mais c'est marrant quand même de voir ce chapeau avec sa mie, quoi, ça me... perturbant. Bah non, c'est encore plus saccadé. Oh là là, j'ai des saccades monstrueuses. Bah merde. Faudrait, je vois, pour streamer, genre, pas forcément le son de ma voix et de la vocale, mais juste le jeu, tu sais, en double canal. Comme Nayone, il fait de temps en temps. Non, pas toucher les poulets, tu m'étonnes, vas-y toi. Ah non, si, mais. Wouah, j'ai fait tout d'un coup. Bon, sauf le trou. Mais j'ai esquivé tous les obstacles. Joli. Je vous attends. Ah là là, Shaman. Non, je suis dans les pattes de la poule. Ah, remarque, alors elle m'a mis dans l'axe. Alors que je vois le sage saccader quand même. Encore? Oh non, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ah. Merde, j'ai fait trop fort. Ouh, t'es chaud là. On parle pas. À couper au couteau. Ah non, ça saccade encore. Oh, je suis désolé. Merde. C'est pas vrai. Ah merde. Mais c'est depuis que j'ai mis en 2 mégasecondes, hein, mon ordi, ça l'a claqué. Hein. Il y a des moments c'est super fluide et puis il y a d'autres. Ouf. Oh, c'est la folie. Ouch. Et donc Nash, au fur et à mesure que tu vas jouer, tu vas débloquer des objets pour customiser ta boule de golf. Ah, c'est bien ça. Ah mais oui, c'est vrai que je suis bête, je les ai vus tout à l'heure quand je changeais la couleur. Non seulement tu vas déverrouiller des objets, mais à chaque fois que tu joues et que tu en déverrouilles, tu obtiens l'objet dans ton inventaire de plateforme Steam. Or, ces petits bonus se vendent, monnaie courante et trébuchante, comme on dit. Généralement, ça se vend 3 centimes d'euros. Et en grappillant à droite, à gauche, bah, des petits ruisseaux font les grandes rivières. Tu t'auto-rémunères. C'est pour ça que j'ai des doubles. Oui. Ça doit être pour ça qu'ils font en sorte qu'on puisse avoir des doubles. Ah, bah, je vais vendre les doubles. Exactement. Moi, je fais pareil. Ah, mais voilà, mais fallait le dire. Ah, mais je savais pas. Tu as pris mon ordi, dit une scène. Oui, c'est horrible, hein. Je suis désolé, hein, mais. Putain, d'accord, je viens de comprendre. Ah merde, bah oui, je suis passé au travers. Alors, ce type d'arrivée en golf, mon cousin Rio les déteste. Ça le rend fou. Alors que moi j'aime bien, mais faut avoir le geste. Apparemment, le gars de la dédicace aussi, quoi. Il y a une question. Exactement. Oui, dans le Sky. Désolé pour l'attente parce que j'étais un petit peu occupé, voilà. Du coup, je vous rejoindrai à la prochaine partie du golf. Ouais.
Avec grand plaisir. Ouais, Paul Jack, he loves ah oui, je vois votre partie. Oui, voilà, je vois votre partie déjà. En question. Je fais vœu comparé à moi que tu arrives à diffuser sans saccade, mon cher Dragon Sky. Parce que là, j'arrive pas à stabiliser mon flux en direct, c'est horrible. Je suis désolé. Moi, ça va, je suis stabilisé, donc en 60 images secondes. Donc, c'est bien, t'as le confort. J'ai le confort. Wow. En gardant bien de rester coché sur la synchronisation verticale. C'est dégueulasse. Parce que si je le désactive, ça va monter. Ça monte en IPS, mais ça risque de mettre l'encodeur en surcharge. Mmh. Bah, tu m'étonnes. Avec la mauvaise chance que j'ai. Mmh. Là, ça saccade ou pas ? Ah oui, ça saccade toujours. Hein. Oh, je sais plus comment faire. Dites-moi, je fais comment pour rejoindre la partie qui est actuellement ? Le serveur, tu demandes à rejoindre un serveur, c'est Wouloulou là. Et le mot de passe est toujours le même. Oui, oui. Le mot de passe. Je l'ai, mais faut que je fasse comme la dernière fois avec le truc de Steam, je sais pas quoi là. Non, c'est pas. Parce qu'on est en jeu là. Ah. En fait, tu vas dans le jeu et. Ah oui, c'est marqué partie en cours, oui, c'est vrai. C'est ça, tu vas atterrir dans le salon. Lobby. Ouais. Ah, je suis dans le lobby déjà. T'as plus qu'à attendre. Dès qu'on aura fini notre partie, on va se retrouver tous ensemble et tu vas te retrouver embarqué à nos prochains 18 trous. Si tu as un écran d'attente, Dragon Sky, tu devrais relancer le stream au début de la partie. Enfin, tu fais comme tu veux. Merde, je suis allé au mauvais moment. De mon côté, le chapeau. S'il se passe rien, enfin, tu fais comme tu veux, stream. Alors, du coup, ouais, bah. Parce que relancer, oui, ce serait. C'est bête, hein. Bah pour le moment, vu que vous finissez votre partie, moi je viens de faire une petite partie dans mon coin tout seul. Hein. Oui, pour t'exercer, oui. Oui, pour m'exercer hein, au golf, hein, pour signaliser. Bah je me suis déjà un petit peu initialisé, donc c'est quoi avec la souris, donc voilà. Comprends un peu le concept. Pardon, je te corrige parce que dire initialisé, c'est comme si t'étais un ordi. Non, tu n'es pas une machine. Tu es un humain. Yeah. Oh merde, j'ai fini dans la flotte. Il n'y avait pas de. Ah oui, parce que j'ai vu qu'il y avait de la flotte, mais j'ai remarqué ça. Oh, merde, je suis un abruti, c'est pas possible. Ah, 60%, c'est un peu fort ou pas ? Ouais. Ouais. Faut que dose un peu je plus. Je sais pas calculer mon coup. Retorota. Allez, à part. Ah, je sais plus jouer au mini-golf, c'est une horreur. Oh, c'est dégueulasse. Je fais de la mouise. Un birdie. Allez, voilà, hop. C'est mon aussi. Je vais le faire en 12 coups. Oh là là. Oh, yeah. Non. C'est dégueulasse. Burp. Évidemment. Oh. Je suis déception. Oh, je suis humilié. J'ai pas assez fait fort. Bah, ok, bah hop. Mais c'est une blague, elle est retournée sur elle-même. Ah, je passe comme. Il faut un risque, c'est l'espèce de boucle, ouais. Ah oui. Là, le sage n'est pas dans une bonne forme. Oui. Sniff. Du coup, faut que j'utilise mon tableau de bord vers son portable parce que sinon je vois pas le chat. Ça, c'est la catastrophe. Voilà. Tu m'étonnes. Évidemment. Ah. Oh! Oh, alors, ce fanion d'arrivée! Ça a failli faire bugger mon jeu là. Oh! C'est automatique. Ah! Tu insènes nos jeux d'argent dans le salon, c'est cool. Pour la prochaine, il est là. La classe. Il nous reste deux trous. Vous avez fini? Deux trous, il reste. Ouais. 17 et 18. D'accord.
Moi je suis au 5 et je suis au 5ème trou déjà. Bah en fonction des parcours que tu fais, ça peut aller vite comme ça peut être long. Ça dépend comment c'est conçu. Oh, le concentré de volaille est arrivé. La poulette elle veut manger la balle de golf, la poulette. La poupoule. Elle est où la poulette? Poulette. Oh non. Salut, heureux Torota et Twinsen qui dit qu'il est dans le lobby. Yeah. Please write this map. Rule my pool. No. Faut se laisser faire. Se laisser faire. Non, le poulet qui picore va nous... Oui. Je te jure. J'ai eu tout à l'heure la poule qui me picorait la balle de golf. Ça aurait pu être scabreux ce que t'allais dire. Hey, j'ai été éjecté hors du truc, c'est dégueulasse. Oui, un peu scabreux, oui, tu veux dire. All in zero, bro. Et ben moi, j'ai pas de bol. T'as pas de bol, prends une tasse. Ah, presque. On se mugue de moi. Alors, on vous entend bien dans mon retour. Moi, je suis content. Yeah, GG. Oh, c'était joli ce que j'ai fait là. Oh, moi, j'ai pas réussi à rattraper. C'est au 8ème trou. Très serré, ouais. Beau duel. Waouh, punaise, non. Hors jeu. Hors limite. Plus j'ai gagné quelque chose. Hors jeu, monsieur l'arbitre. C'est hors jeu. J'ai regagné un double. Non. Ah, la thune, elle arrive. Non. Attends, ne peut plus passer. Ça y est, vous pouvez nous rejoindre. Il y a moyen de faire ça comme ça, voilà. Ah, c'est bon. Ok, oui. Quitté. Ah oui, mais une scène, du coup, il y a des cartes. C'est compliqué. Non, il va les télécharger. Et puis je crois qu'il en est déjà eu par le passé. Il était déjà là pour certaines d'entre elles. Tu vois, il est déjà ouvert. C'est bon, j'y suis. Ouais, non, mais ok. Très bien. Très bien. Parce qu'il y a des cartes où il y a beaucoup d'éléments et du coup ça peut ne pas marcher. Attends deux minutes. C'est qui qui s'appelle Nana Mouche Pourrie? À ton avis. La chef man. Ça peut être 8 cents ça. C'est ça. T'as deviné. Les balles de golf, c'est des cubes. Et qui sont bêtes. Ah mon dieu. On est parti. Ouais. Parti, let's go. Bonne chance à tous. Ouais, merci. Toi aussi. Fantasy Action Deluxe. Redux. J'ai oublié de débrancher ma PS3. Je suis un hippo. Je vois la diode allumée à distance là. Les économies d'énergie. C'est ça, zéro pointé. Bah, j'ai oublié d'éteindre ma lampe de bureau, j'ai les yeux un peu explosés à cause de la lampe. Comment on fait pour les vendre? Pardon? Je sais pas comment on fait. Oui, l'inventaire là, les objets d'inventaire. Je t'expliquerai si tu... Ah bah non, ce soir, oui, c'est vrai que ce sera peut-être un peu tard, tu seras peut-être déjà couché pour demain. Mais je suis en vacances. Ah, je suis un abruti, donc je te montrerai ce soir. Pour les vacances, ça se termine demain. Non. Mais non. Ah mais non, c'est pas la même zone que chez moi. Bah oui, c'est pas la même zone. J'ai oublié ce détail. Il est en Normandie. Ah oui, c'est pas la même zone, à ma vie. Hein. Je te montre ce soir, je te fais la démonstration promis, Edge, ce soir. Ok. Alors, faut pas oublier qu'à 21h, je suis chez Bastos. Et bah après. Enfin, j'espère que vous n'allez pas finir au-delà de minuit. Ah, tu vas aller chez lui. Waouh. Et voilà. Oh, si je serais chez lui, il m'a promis des gros gâteaux. Oh non. Là, on est chez le sage. J'aime bien le canapé du sage. Je joue mal. Mais... Je ne sais pas compter sur le canapé du sage qui a marqué son territoire, mais ça me plaît pas.
Elle descend gentiment la baballe. Ça doit être Dragon Sky parce qu'il y a des flammes sur le canapé. Oui, en parlant de flammes, j'ai modifié un peu mon côté de Steam. Ah, hors limite. Ah oui, eh merde, on a perdu un joueur. Twinset qui dit dans le chat, je suis encore dans le chargement. Mais comment ça se fait, t'étais déclaré en vert? Ouais, c'est déclaré quoi en ce merdier? Vert. Ah, je suis désolé, mon pauvre Twinset, j'ai même pas vu que t'avais pas suivi. Je l'avais dit, je l'avais prédit. Comme quoi, ça sert à rien de se coucher plus tôt. Mais le jeu est pas correct. Bah, Yanash, il essaye là, je sais pas ce qui t'arrive. Bah, ah, il dit parce que la carte n'est pas officielle. Bah oui, on fait les cartes de la communauté, voilà pourquoi. Je disais à EJ avant de prendre l'antenne qu'on n'allait pas faire les cartes du jeu puisqu'on les a faites hier. Alors, ça fait trop redondant, mais du coup, les cartes de la communauté, ça t'empêche de jouer à ce point, Twinset ? Mais je croyais que t'en avais fait avec nous. Bon, les cartes de la communauté, ça fonctionne. Hein. Ça va bah, toi, oui, mais le... pas Twinset. Ah, je suis dépité. Bah, tant pis, sinon on va revenir sur les cartes normales. Bon, bah, ça va faire un... Bon, c'est sympa de jouer avec Twinset. Ah, le jeu a planté, hein, mon pauvre... Et DJ, ça rappelle pas le stream d'Henry de Tournement 2004 ? Sûrement, ouais. Qu'il avait pas les cartes aussi ? Ouais. Harry, aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai fait un part. Oui, c'est bien ça. Et je prends la part. Oh, mon pauvre Tutsen. Bon, bah, du coup, on va faire des cartes normales. Que tant que Twinset peut jouer avec nous. Oh la vache, on a tous fait en 10. C'est une hérésie le numéro 2. Oh lolo. Non, c'est Wololo qu'on dit. Wololo. Ouais. C'est ça. Wololo. Oh, est-ce que je peux la tenter? Il va la tenter là aussi. Oui. Ah, yeah. Ah ben non, c'est oui. Je l'ai bien joué. Birdie. Birdie. Moins un. Birdie. Alors là, c'est un peu plus complexe. Oula. Oh, j'ai tenté le truc de fou. Ah, j'ai tenté le diable. Ah, bon, elle s'arrête ou pas la baballe? Oh, ouais. Oui. Oh, Nash. Oh, le un coup là. Ah, tu l'as vu celui-là? Ah, je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu, Nash. Bien joué. Eagle. GG. Oh. Ah, je l'ai vu. Ça, j'en rattrape un peu mon retard. C'est pas plus mal. En effet. Ouais, qu'est-ce que c'est ce truc de foufou là? Les cartes de la communauté sont très créatives. Mmh. Ouais, j'ai remarqué ça. C'est bien, on est relax, peinard, pépouze, c'est rigolo. Alors, j'ai vu quelqu'un qui est parti, je sais pas comment là. Petit bateau. Bateau. Tu vois, là, ça, j'ai une ambiance, il y a une musique sur les cartes. Alors, moi, ce qui est bizarre, c'est que de mon côté, je l'entends pas. J'ai peut-être coupé la musique comme un gros nigo. J'entends pas, parce que c'est pareil, moi, si je l'ai coupé. Ah, attendez voir. Option audio. Ah oui, j'ai coupé les musiques. Voilà pourquoi. Est-ce qu'on va tromper le joueur là? Allez, on va tenter. Qui tente rien? N'a rien. Voilà.
Oh, si près du but. Heureusement que j'ai pas mis. Merci pour ce GG, feu de fan. Ah, je lis cette information pour EG. Oui. C'est pas très long, j'essaie d'aller pas trop vite. Lors d'une interview. Le Ricochet. Ah, merci Dragon Screen. Oui. Pardon. Je t'en prie. Lors d'une interview avec Hot 97, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah. Cody Rhodes a déclaré qu'il envisageait d'apparaître avec sa ceinture de poids habituelle, mais avec tous les logos des promotions de catch indépendants pour laquelle il a travaillé durant son match de championnat à WrestleMania 39. Voilà. Ah ouais, je vois. Ah, pour... Ça aurait pu être bien. Hein. Ça aurait été bien. Mais quand on dit indépendant, concurrent de la WWE ou... Bah, quelque part, oui. Non. Ce serait une première. Hein. Que la WWE, depuis que la WCW n'existe plus, ils sont seuls au monde. Donc il a été chez AEW, ROH, il a été chez New Japan, il a été et plein d'autres fédérations indépendantes. Oh, c'est envoûtant. C'est envoûtant les... Oula. Ouais, si indépendante, ça veut dire concurrence de la WWE, ça veut rien dire ce terme alors. Pour moi, non, indépendant, ça veut dire que c'est les plus petites structures en fait. C'est pas, ah. C'est en dehors des grosses compagnies. Genre dans les grosses compagnies, maintenant tu peux mettre WWE, AEW et quelques-unes autres, j'imagine, dans d'autres pays. Genre New Japan au Japon, Triple A et CMLL au Mexique, etc. Indépendant, c'est les plus petites fédérations. Ah oui. Et quand t'es catcheur indépendant, souvent bah tu caches dans plein de fédérations en même temps. C'est plutôt t'es payé par apparence et pas un contrat écrit à long terme. D'accord, merci de l'information. Il faut aller bourrin, je crois, c'est ça. Ou pas. Ouais, fallait bourrin, faut être bourrin là-dessus, hein, sur le premier coup. Totaro qui dit... j'ai jamais y arrivé avec ton pseudo. Pense au taureau. Un taureau, toi qui as des origines espagnoles. Le taureau. Ta 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 ta. Taureau ta. La WWE est en vente actuellement d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on dit. Moi je comprends rien là-dessus. C'est un feuilleton. Oh là là. Avec plein de rebondissements. Pire que les feux de l'amour. Oui. Comment je fais là? Non, parce que tu as Vince qui se casse, voilà, qui part pour des raisons malhonnêtes, que... morales. On a perdu une hache. Donc, il prend sa retraite, il revient 6 mois. Moi, j'ai fait un chemin secondaire, un itinéraire 10. Du coup, avec une champignon, en fait. Du coup, avec son départ, on dit que la WWE pourrait non, être... Non, je vais le faire. Non, mais non. Putain, mais abuse. On dit que la WWE pourrait être vendue par Triple H et machin et Stéphanie. Après, on dit Vince, il est revenu, mais c'est lui qui veut faire la vente. Du coup, Triple H, il veut plus vendre. C'est un bordel monumental, cette histoire. Mais bon. Il vient de le faire. Moi, je dis que c'est con de vendre, parce que la fédération, elle rapporte des millions et bon, c'est un peu débile. Ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, Dr. Racing, il espère que ce soit Disney qui rachète. J'espère que ce sera pas Disney. Hein. J'ai pas envie de voir l'Undertaker contre Dark Vador, tu vois. J'ai... Bah non, la Reine des Neiges, ce sera pas mal. Ouais, ou la Reine des Neiges contre Becky Lynch. Tu sais. Oh, merde. Ah, j'étais dans les limbes, Edgy. Attends, je vais jouer différemment. Encore dans les limbes. Arrête! Il y a même qui disent que ça pourrait être Sony. Si c'est Sony. Spider-Man contre Ricochet, voilà. Vas-y, allez. Balance. Si c'est Sony, tous les jeux de catch, ils seront plus que sur. Il y aura plus de jeux de catch sur Microsoft. Fun, si je prends Cody Rhodes par exemple, en 2017, attends, je compte les fédérations.
C'est sûr qu'il a beaucoup rodé. Non. Bon. Si. Ça remonte. Non, mais je parle de la balle. Ah, il y a Disney, AEW et d'autres que je connais pas qui veulent racheter. Oui, pendant que Edge réfléchit, du coup, je réponds à Torota. En fait, en 2017, il a catché pour 36 fédérations différentes, Cody Rhodes. C'est le catch indépendant, il y en a plein. Après, on me dit toutes les promotions de catch indépendant pour lesquelles il avait travaillé durant son match de championnat à WrestleMania. On peut commencer dans les textures. Donc, je comprends pas ce que veut dire cette fin de phrase. En fait, où, Nash pendant son match à WrestleMania. Je vois pas. Il est coincé dans sa vie. À WrestleMania, il veut. comment dire? Il veut avoir sa ceinture de poids autour de lui avec les logos de toutes les fédérations indépendantes pour lesquelles il a catché. En gros, c'est pour WrestleMania qui va arriver. Ouais, il y a une virgule, j'avais pas vu. Et oui, Durant, oui, d'accord. Ouais, j'avais pas vu la virgule. Moi, je croyais que c'était toutes les fédérations qu'il a fait de entre WrestleMania 39 et je sais pas où. Ouais, d'accord, ouais, j'avais pas vu. Ouais, après, tu dis, t'auras. Torota, j'y arriverai jamais, je crois, je suis désolé. Disney, tu dis, ouais, pourquoi pas. Bon. La AEW, je te dis, impossible. Vince McMahon, il a trop d'ego, il n'acceptera jamais d'être racheté par un concurrent qui n'est plus inférieur. Il n'a pas assez l'amour du catch, il n'a que l'amour du spectacle et un ego surdimensionné, il se fera jamais racheter par un concurrent. Et puis, symboliquement, ce serait l'invasion à l'envers, il ne le supporterait pas. Donc, Disney, ouais, pourquoi pas, peut-être qu'ils accepteront. J'aimerais pas, hein, mais bon. On dit la Fox, on dit les Émirats Arabes Unis. On dit l'Arabie Saoudite. On dit même le sage de Nancy. Je sais pas quel est le fake là-dedans, mais on verra. Non mais Fun, on va la racheter avec Bastos. Hein. Tous les trois, on va faire des trucs bien. J'ose même pas imaginer. Moi, je me mets dans le côté scénario. Hein. J'ai prouvé. J'ai rien dit. Ça peut être très bien. Hein. J'ai rien dit. Moi, je me mets sur le côté du plan créatif. J'ai prouvé ce que je valais. J'ai fait un scénario. Et je vous invite à embaucher Christella comme commentatrice. Ça doit être trop bien. Ouais. Pourquoi pas, hein. On engage tous les fans de catch. On prend. Et Twinsen, il sera dans le public. Twinsen dans le public. Bah moi aussi, je suis dans le public. C'est quelqu'un qui eut tout le monde pour un oui, pour un non, tu vois. Je vois avec sa pancarte, le cache, ces trucs, et ne regardez pas. Le cache, ne regardez pas. Excellent. Excellent. Ah, j'imagine. Ah, la scène, je la vois très bien en plus. Ah non. Voilà. Ah non. Rota qui dit d'ailleurs, Tony Khan, propriétaire de AEW, était avant propriétaire d'un club de foot de première ligue en Angleterre. Oui, le club de Fulham, qui est en première division anglaise cette saison. Qui est pas une mauvaise équipe. J'ai un nouvel item. Par contre, si je suis propriétaire, je fais tout pour amener Maria. C'est déjà fini. Même si ça peut être que ma secrétaire, mais il faut que Maria le revienne. On rebascule sur les... Pardon, je t'ai interrompu, fan. Sur les intégrés au jeu, parce que le pauvre Tunsen, il est exclu sinon. Tant pis, hein, mais bon. Merci. Voilà, je dis. Il ne dérange pas, il dit, si je ramène Maria. Non, ça ne me dérange pas. Voilà. Tu vas être manager. Carmela, Bailey, ça me dérange pas. Tu me laisses Maria. C'est tout. Mais non, on les garde. Faut attirer les gens, faut l'audience. Ah ouais. Oh putain. Tu l'as dit, hein. Je l'ai dit. Tu l'as mis ambassadrice pour un pot de fleurs, Carmela, ça marchera quand même. C'est pour le grand débat. Ah, je la vois bien ambassadrice des pots de fleurs. Je sais pas pourquoi. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Amourante. Ça lui va très bien, tu vois.
Ni plus ni moins. Twinsen. C'est pas mal. Nous avons le plaisir d'accueillir Amourant. Il faudra mettre un coup de dinde sur cette pour les trolls et compagnie. Il faudra mettre un coup de dinde. Il y a qui abuse un peu. Ouais, oh, t'inquiète pas, je vais changer tout à l'heure au pire. Mais bon, là, ça va, c'est le premier de l'après-midi. Mais allez, contre... je crois que tu peux lancer, Edge, s'il te plaît. Ok. Ton retard, il a bien ramené Page. C'est vrai que. Le stade, je viens. Ah, pardon, vas-y, Edge. C'est, ouais, c'est vrai que Tony Khan a ramené Page du côté de chez AEW. Je pense que les années d'absence lui ont pas fait du bien. Non, c'est clair. C'est clair. Le sage, je suis inquiet. Chaque fois que je découpe ta bombe, ce matin j'ai fait 10 victimes, puis 11, et maintenant je suis à 12. Chaque fois je fais une victime de plus. C'est inquiétant. J'ai pas de bol. Bientôt je vais faire le monde entier. Dans 10 ans. Chaque fois il y en a un de plus qui s'ajoute. Mais c'est pas par rapport au nombre de morts que tu as. Enfin, je veux dire. Ou non, c'est-à-dire chaque tentative est jouée en fait. Quand ils disent victime, ouais, de l'explosion, ils auraient dû dire c'est votre 12e échec à désamorcer une bombinette. D'ailleurs je changerais peut-être la phrase. Tiens, bonne idée. Ah bon ? Je crois que c'est un chiffre aléatoire, faudra voir. Non, il n'est pas aléatoire du tout, il est incrémentiel. Il est additionné à chaque essai. Ah bon ? T'as raté 12 fois, donc ça veut dire qu'avant, tu avais raté seulement 11 fois. Oui, tout à l'heure, oui, c'est ça. Maintenant, il faut que j'arrive à 111. Ouais. Ouais. Non, ça va, il arrive. Ah, Page, il écrit pas Page, il écrit Page. Oui, il s'est trompé. Page, oui, c'est bon. Après, c'est qu'un détail, voilà. Mais Page, elle est nulle aussi. Non, c'est cool. Maintenant, elle est nulle. Oui, elle est toujours cool. Ouais. Si tu le dis. À une époque, elle était cool. Maintenant, il faut l'appeler Saraya en plus. C'est vrai. Oh, bah, ça me fait marrer, Nana Mouche Pourrie. Ouais. Il devrait s'appeler Amourante. Comme ça, la poule, elle m'a ralenti. La poulette. Le problème de Tony Khan, il prend beaucoup de catcheurs de WWE, mais ne sait pas les mettre en avant car on en voit de moins en moins. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens de WWE qui ont été chez AEW. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai qu'on... Il a un peu de mal à... En fait, il a un large roster, donc en fait, il a beaucoup de catcheurs et catcheuses dans sa compagnie, mais il a du mal à leur créer des scénarios convaincants. Après, le problème, c'est que voilà, il faut éviter ce qu'a eu la WCW. C'est justement parce qu'ils mettaient trop en avant des vieilles stars de la WWF qui n'arrivaient pas à se renouveler, qu'ils ont coulé aussi. Ah, j'ai loupé mon coup. Les stars d'une fédération concurrente, sauf ceux qui ont vraiment été très mal utilisés, qui n'ont pas eu tant de gloire. Sinon, c'est le début de la fin. Non, moi je. Voilà. Par contre, je serai sur le plan créatif, mais je fais pas le plan créatif des personnages. Moi, je ne fais que les scénarios des ceintures, des bidules, des machins. Mais, moi, je fais pas les persos. Hein. Ça, c'est pour toi, Edge, si tu veux. Enfin. On changera. Je pense que je peux m'en occuper. Mais non, double mort, je. Ah, quand même. Moi, je me plairais que dans le plan créatif, en plus. Pas moi qui ferais les prises de finition, tout ça. Moi, je suis là pour dire, toi, tu gagnes, toi, tu perds, tu fais ça, tu donnes un coup de chaise, tu te fais recevoir un coup de chaise, et puis point de barre. Alors, moi, je tiens à préciser que j'ai déjà une expérience au niveau de scénario de match.
parce que c'était en 2020 pendant le confinement et puis enfin voilà. J'étais dans un serveur Discord de role-playing, de RP, et en fait c'était du catch. Et j'étais ce qu'on appelle un booker, donc je faisais les scénarios des matchs. Donc voilà. Et j'aime beaucoup cet exercice. C'est bien. Mais j'ai pas eu l'occasion d'en faire depuis, et je n'ai pas d'autres projets. Non, dans l'eau. Ah, moi aussi. Ah, bah tiens, je m'y attendais pas. Ah, le ricochet, j'adore faire du ricochet. Ouais, dans le bateau, on fait des ricochets. Dans la flotte. Ouais, on fait des ricochets. Et donc le monde dans la flotte, mais non. Oh. Prends les vilains. 1, 2, 3, 4. Voilà. 4. Dorota dit, après, et ce n'est qu'un avis personnel, Tony Khan voit trop grand EAW, ROH, alliance avec la NJPW. C'est vrai que quand on réfléchit bien, au début il avait que AEW, ensuite il a racheté Ring of Honor, donc ROH. Bon, l'alliance avec la New Japan, c'était quelque chose de, je pense, évident. Parce qu'il y a beaucoup de catcheurs de New Japan qui sont chez AEW. Je prends par exemple une partie du Bullet Club, à savoir Omega, les Young Bucks, tout ça. Donc c'était évident. Même Cody Rhodes en faisait partie. Après, c'est vrai que Ring of Honor, ils ont eu beaucoup de problèmes à cause du Covid, tout ça. Le confinement leur a pas fait du bien. Donc oui, Tony Khan a un peu sauté sur l'occasion. Mais voilà. On peut penser ça, oui, je comprends. Chrisella qui nous dit, je regarde en l'heure le live, petit mal de crâne. Oh, oh mince. Ouais. Ah. Bon bah on espère en quoi que la migraine passe. Eh bien. Salut Chrisella. Oui, re Chrisella. Ah ouais, re, ce matin c'est vrai que c'était plus. Oh, je ne sais plus entre les personnes que je croise ou que je ne croise pas le matin. Bah, on est plus en plus nombreux là, c'est merveilleux d'accueillir Torota depuis quelques jours. C'est bien. L'homme que je ne sais jamais dire son pseudo. T'imagines si un jour, dans notre bande de copains, on arrive à se retrouver à 50 les week-ends. On pourra faire des salons multi-jeux. Chacun choisit le jeu qu'il voudra, et puis parmi ceux qui peuvent être diffuseurs. On se répartira qui veut faire quoi. Ce serait sans sas quand même. Ouais. Bon, ça va être compliqué, j'ai que des jeux rétro à proposer qui sont de moins en moins potables pour le moment. Tu trouveras ton public quand même. Des goûts ouais, et des couleurs, il y en a pour tout le monde. Ouais, sur Mount Armageddon, il y a toujours une demande. C'est horrible. J'ai lancé une fois cet abandonware d'Armageddon pour voir ce que c'était. Et... oh mon dieu, c'est horrible. Pourquoi c'est horrible? C'est sympa, Worms Armageddon. Oui, 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 oui. Honnêtement, en défouloir, le Destruction Derby, j'aime beaucoup. Ah ouais. C'est dommage que j'avais mes bugs, sinon j'aurais été meilleur. Ouais. Que je suis le roi du super mouton. Allez, c'est reparti pour monsieur. Je suis le meilleur, en fait. Dorota qui dit soir, je vais tryharder Minecraft toute la nuit. Ah non. Pas le meilleur sur Worms Armageddon, j'ai juste dit que j'étais le meilleur pour le super mouton. Ça, je suis d'accord. Le super mouton, je suis d'accord. Ah c'est ouais. Tout. Et je le maîtrise en 640x480 en plus. Oui, mais la façon dont tu joues, c'est vraiment la résolution, elle est bizarre. On a déjà fait du 4 tiers écrasé. Hein. Ah non, c'est du 4 tiers 4 tiers là pour le coup. J'ai déjà fait du 4 tiers écrasé moi. Ah oui, toi oui, peut-être. Ah bah, c'est pas que c'est bizarre, c'est que c'est juste, c'est comme ça que j'avais quand j'étais petit, j'avais que cette résolution-là. Tiens, je suis vieux, hein. Je suis né à l'époque des écrans 14, hein, en grand, qui était blanc, machin. Il me tue, Funfan, quand il dit qu'il est déjà vieux. Il m'achève. Donc, n'oublions pas que
que Nash, il a fait une guerre. Hein. Il est plus vieux. Ouais, il a fait la guerre des nerfs. Ça fait un peu mal. Ah merde, je me suis lancé au mauvais moment. Bien fait pour ma gueule. Il faut bien la corde à sauter aussi. La corde à sauter. J'ai 40 ans, je suis plus vieux. Oh 40 ans. Ouais. 40 ans, 82. Ça fait 82, 83. Ah ouais, mais Aero, il est encore plus vieux. Il a 42, 43. Il est de 79, je crois. Aerostar, 79, je croyais 1980. Moi. Ah, oh. Ou 80. C'est, ouais, ah. Soit il, je sais qu'il a, il a, oh. Il a deux printemps de plus que moi. Parce que moi, j'ai 40 piges. Mais, ah, oui, c'est de 1980, c'est aussi. Non, Ricochet. Mais le plus vieux, c'est Monsieur Poupon, lui, il est des années 68. Ah bah oui, oui, il est en 66, il nous l'avait dit. Il est né en 66, Poupon. Moi, 80. Oui, bah, il y a pas... Le plus vieux, c'est Nash Havman. Il a 40 000 ans, on l'avait dit. Ah, t'es né en 80, tu es une scène. 40 000 ans, oh la vache. Une scène, oui, toi, tu es de 80, mais Aerostar aussi, il est de 80. T'es pas le seul qui est né en 1980. La France, elle s'est pas arrêtée pour toi, hein. Oh, bah, tu veux avoir des descentes. Ma figure. Donc, ouais. Bonjour Nayone, peut-être qu'il va jouer avec vous Nayone. Mais il nous rejoint quand il veut. Et hop, c'est envoûtant. Je sais plus les salons, les lobbies dans le mini golf, c'est combien de joueurs max? C'est 12, je crois. J'espère qu'un jour je vais rencontrer une personne encore plus vieille que Poupon. J'adore rencontrer les personnes âgées. Ils sont cool. Enfin, ça dépend lesquels, il y en a. Mais en général, les personnes âgées sur Twitch, ils sont cool. Ouais. Bah c'est le sage qui a gagné encore. C'est vrai avec 38 points. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ouais. Merci. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait me dire c'est normal, tu aimes les personnes âgées, tu fais que des jeux rétro, tu peux leur convenir. Quoi. Je m'attendais à une blague de Twinsen. Je suis déçu. Alors, je me permets de répondre pour Christella. Elle nous a annoncé qu'elle avait une petite migraine. Donc, pour le moment, elle nous écoute d'une oreille, sans plus. C'est ici pour le rachat de la boule de bleu. Ah non, Christella, pas rendez-vous dans 10 ans, mais dans 11 ans, s'il te plaît. Respecte. Bah, Gilles, n'hésite pas à choisir une autre carte, Edge, s'il te plaît. Et sauf avec une autre carte, évidemment, Twitter ne pourra pas la rejoindre parce que les cartes communautés, ça marche pas. Oui, mais non, là, on fait celle du jeu, donc il peut nous rejoindre, justement, on fait exprès pour lui. Ah, d'accord. Dojon, ah, j'ai jamais fait celle-là. Eh bah, allons-y, finalement, c'est pas plus mal. Bon, tant pis pour le public qui a déjà vu les mêmes cartes hier, mais bon. On s'éclate entre copains, c'est l'essentiel. Nash, il me tue. Bah, oh non, t'inquiète, y'a pas de soucis, Christella. Oh, pire, tu lèves ta diffusion d'hier, tu mets que celle-là, et c'est réglé, vu qu'il y a plus de monde, machin, et puis voilà. Oh, tu fais comme tu veux. Non, tu veux participer au rachat avec nous. Je veux dire, le sage, si sur ta diffusion d'hier, tu as mis que le golf, tu peux... Bonne popote à toi, Nayone, pardon. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi, du mini-golf? Non, ouais, non, je veux dire, ta séance d'hier sur ta chaîne YouTube, tu l'as fait sauter, tu mets que celle-là et puis ça va bien. Oh non, je mets tout, moi, je me pose pas de questions. De toute façon, les interfaces YouTube et Twitch sont bien fichues. C'est même chapitré automatiquement sous Twitch quand tu changes de catégorie de jeu. Tu choisis ce que tu veux, c'est... tu fais ton menu, c'est magnifique. Ah, t'as plus qu'à déguster derrière. Guerre du golf. Lancez, pitié, ça va dégénérer. Lancez le jeu, s'il vous plaît. Maître de jeu, AJ, please. Thank you. La guerre du golf. Ah oui. Du golf, pas du tact. La guerre du golf. Georges Buisson. Alors, je vais. Oui, Georges Buisson. Traduisez et vous avez la réponse. Traduisez en anglais. Je vais lancer, je vais chercher un truc à boire. C'est... Si vous voyez pas la boule, ok. Avec Twinsen, on peut parler de rien, on peut pas parler politique, on peut pas parler catch, il aime rien ce Twinsen. C'est triste. C'est incroyable. Il aime cliquer partout pour trouver des objets. Et espionner.
Alors. Bon, si tu veux, on parle de Carole Quintel, je raconte son actu, si tu préfères. Ou je me mets à parler de FPS à la manette, du gameplay, je peux aussi. Oh, c'est... j'étais trop mou. Mais je peux pas faire une descente molle de l'escalier, c'est interdit ou quoi? Ah, moi j'ai fait une descente molle, ça a été très très bien. Bon, bah c'est bien. Oui, bonne cuisine, oui, Nayone, ouais. À tout à l'heure. Bon, je crois que c'est une vraie excuse. Non, parce qu'il y en a, ils disent j'ai aquaponé et on peut avoir des doutes. Hein. C'est drôle, en même temps c'est drôle. Merde, je fais de la mouise. Vous me faites rigoler et puis je fais vraiment de la mouise. Ce qui est bien, c'est que comme Dragon Sky il crache partout du feu, dès que t'as besoin de faire chauffer un repas, tu lui donnes, il pleut. Oh, ouais, c'est vrai. Eh, je vous décris une petite scène comique, mais là elle a été préméditée. Quand je... Peut-être un jour, d'ailleurs, je la publierai sur YouTube, parce que j'ai dû manger à ce moment-là. Quand je jouais à Skyrim, à un moment, je suis entré dans une auberge et j'avais remarqué qu'il y avait un dragon qui était tout proche et qui allait. Qui me visait, quoi, qui me cherchait. Et j'ai pas pu m'empêcher, en ressortant de l'auberge, de me la jouer roleplay. Et de dire « Oh, je m'en grillerais bien une, quelqu'un a pas du feu ?» Et forcément, en sortant de l'auberge, je me fais allumer, c'était rigolo. Ouais, j'espère que dans Horizon, il n'y a pas de dragon, parce que les oiseaux tonnerres, ils sont casse-pieds. Oui, c'est vrai, les oiseaux tonnerres sont casse-pieds, je te rassure. Toi aussi, bien. Ouais. Moi, je trouve un moyen de changer mes armures et tout ça, là, parce que je suis toujours avec une arme basique et ça commence à se ressentir. Mais bon, comme je suis en très facile... 5 secondes. 3, 2, 1, c'est fini. Après, je fais partie des rares joueurs qui n'ont pas besoin de 40 000 armes pour être heureux. Hein. Avec 3-4 armes, je suis heureux, moi. Sa grand-mère en kill, t'as pas eu le temps. Attends, mais moi... c'est bizarre parce que t'es en pleine action... Ah oui, t'as mis 14. C'est moche. Moi, tu me prends Doom 1, je suis heureux, moi, avec un pistolet, un pompe, une mitraillette, un plasma et... Oh, je reviens au point de départ. Brrr. C'est vilain, ça. J'en connais, il va se foutre de ma gueule. Moi, je suis heureux, hein, avec les armes de Doom 93, hein. J'ai pas besoin de plus. Tiens, du coup, par curiosité, t'as regardé si t'avais des nouveaux commentaires pertinents du côté de Morlock et Vieux Jeu, suite à ton interview, ou pas? Un bol puré de l'autre. Ah ben oui, avec la purée, je suis encore plus heureux, bien sûr. Non, je crois pas. Je crois que ça... C'est bon, il y a eu le maximum et... ça monte plus, hein. Je crois que c'est bon. L'effet nouveauté est passé. Ah ouais. Ah, non, de temps en temps, tu pourras peut-être pointer une fois par mois, par curiosité, pour voir s'il n'y a pas eu une surprise. Parce que parfois, t'as des commentaires qui sont vachement tardifs, hein, sur YouTube. Hein. Oh, hors limite. C'est vrai. Ça m'arrive aussi d'en faire partie, donc je sais pas. Moi, je suis déjà à faire des commentaires sur des vidéos qui sont vieilles de 4-5 ans. Alors... C'est qui s'est fait déjecter sa vie, là, j'ai vu. Après, je m'étonne pas de pas avoir de réponse, mais... Le dernier commentaire date il y a 5 jours. Oh la vache. Ils ont mis carrément une scie pour faire trancher la vie en deux. Non, mais c'est vrai que c'est touchant quand il y a certaines personnes qui disent que je suis un passionné de JV, ça fait plaisir. Oui, ça se ressent, c'est bien. Deux passionnés qui discutent ensemble. Ce qui me fait bizarre, c'est qu'on me met au même niveau que Morlock, alors que j'ai pas du tout son level, quoi. Je suis limite école primaire, lui c'est l'université, tu vois, il y a un monde entre nous par rapport à ça, sa qualité de travail. Et le fait que les gens me mettent au même niveau que lui, c'est ouf. Je sais pas qui me connaît, je crois. Non. Une fois que je lui envoie un message pour lui demander si il va bien tout. Oh la vache, là, c'est compliqué là. Le problème, c'est qu'il interagit que par email, mais moi, c'est ma boîte email, je l'ouvre une fois tous les 6 mois, c'est ça le problème. J'ai frôlé là. Tiens d'ailleurs à propos, il m'a répondu ou pas le gars? Il tranché. Ça fait mal, ça pique. Ah l'enfoiré, il m'a même pas répondu. Je vais prendre belle tranche, comment dire. Ah
Oui, ouf. Encore un truc qui va venir passer. Je le sens. Ouais, soi-disant, ça venait de France. Oh putain, c'est de la lave. Oh purée. Oh. Mais c'est l'enfer de Satan. C'est ça. Ça va. Ça va encore. Enfin, un mais... C'est ça. Non, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Livraison reprogrammée. Ah, je connaissais pas encore ça. Votre colis ne peut être distribué, il va être mis à disposition au bureau de poste. Vous pouvez choisir une livraison à la date de votre choix. Mais what the fuck, c'est la première fois que la poste me fait ça. Plus ça va et moins c'est fiable la poste pour les clients. Ouais, ça se délite. Ouais. Bah, en parlant de la poste, apparemment le timbre rouge numérique c'est un flop, un véritable flop. Je vais me couper parce que je vais être bien concentré sur ce que je fais, pas faire n'importe quoi pour pas envoyer le colis. À tout à l'heure. Ouais, fais. Tu fais ta paperasse. Quelques secondes, mais. Ouais. Y a pas de souci. Fais comme tu veux, Fun. À tout à l'heure. Non, du coup, je profite du fait que Fun s'absente pour vous rappeler au niveau de la poste, il y a eu une réorganisation à échelle nationale. C'était il y a un peu plus d'un an de ça. Et ça avait été une catastrophe parce qu'en fait, habituellement, les facteurs préparent en matinée leur propre sacoche pour faire leur tournée de distribution de courrier. Et la réorganisation nationale de la Poste a voulu qu'ils soient déchargés de cette mission. Le fait de préparer les sacoches avait été délégué à des intérimaires qui étaient censés avoir été formés. Mais la formation était visiblement pas de qualité, puisqu'il y avait énormément de retard et des problèmes de d'aiguillage de courrier au niveau des tripostaux. Et pire encore, c'est-à-dire que les courriers officiels tels que les recommandés, qu'il faut signer à réception, en tant qu'accusé ayant une valeur légale, certains ont même été perdus. Ce qui invalide d'ailleurs des procédures parfois judiciaires ou officielles. L'information ayant remonté auprès du gouvernement qui a pesté à taper du poing sur la table pour que la poste fasse le nécessaire pour que ça ne produise plus le mois suivant. Alors je sais pas comment ils s'en sont sortis, mais entre-temps, ils auraient redressé la barre. Je sais pas comment, mais l'année dernière, s'il y a des courriers que vous avez reçus et que vous avez appris l'info des mois plus tard, c'est malheureux, mais ce que je viens de vous raconter, ça pourrait peut-être expliquer la chose si vous étiez pas au courant. Ah, même les factures, c'est arrivé à ta maman, Torota. C'est terrible. C'est terrible. Alors, autre anecdote similaire. Dans ma presse locale en Lorraine, moi j'avais un jeune qui commençait sa carrière dans la distribution de courrier. Il avait fini sa formation et ses premières tournées qu'on lui accordait, c'était la tournée estivale, c'est-à-dire quand les habitués prennent leurs vacances. Et il se trouve que l'intéressé, le petit jeune, il était passionné de football. Eh ben, le jour où il y avait match de foot le soir, quand il n'avait pas fini sa tournée, il se cassait pas. Il avait balancé le restant des sacoches qu'il n'avait pas fini de distribuer dans la rivière. Donc, quand il s'est fait choper quelques jours plus tard, il a pris très cher, croyez-moi. Parce que ça s'est fini, évidemment, au tribunal. Il est fou. Bah, je te ressors l'article si tu veux, je vous le mettrai dans mon Discord parce que je l'ai enregistré l'article de presse en PDF. Et j'ai d'autres exemples comme ça, j'ai d'autres exemples où la poste il y a eu des ratés monumentaux. Bah là, le raté de 2023, bah, c'est le timbre numérique. Oh, ouais. Oh purée de Dieu, qu'est-ce que c'est ce truc. Des hachoirs, là, des hachoirs de viande là. C'est stressant. Oh, purée. Hein. Oh, purée. J'ai réussi à passer par chance. Oh. Ah la vache. Mais franchement, faut avoir un timing de fou.
Alors, à mon avis, j'aurais oublié le fait de déposer le PDF sur le Discord. Quand je regarderai la rediffusion d'ici les 15 jours là, à venir, quand je me réécouterai, je me dirai « Ah oui, il faut que je fasse ça », et là, je prendrai le temps en antenne de vous le déposer dans le Discord. Mais je crois que je l'avais fait chez quelqu'un, justement. Chez Aeroster. Pour ceux qui ont le Discord d'Aeroster, enfin bon, vous ne vous retrouvez plus, parce que son Discord est tellement actif que ça doit être... ça doit être vieux de plusieurs mois. Mais je vous ferai, vous inquiétez pas, une réédition. Oh, j'ai calé ma bille. Je suis dans la merde. Je rêve ou je suis avec quelqu'un? Ah non, je suis tout seul coincé au niveau de ma... Oups. Oh, je me suis fait cramer la bille. Ah non, ça va, je peux me dégager. Là, je sais pas trop. Doublement cramé. Je verrai ça demain tranquillement parce que c'est chelou. Non, je sais pas, on dirait qu'ils veulent me le redistribuer parce qu'ils ont pas trouvé mon adresse ou une connerie comme ça. Tous les mois, je me fais livrer un truc. C'est vraiment de pire en pire la qualité de la poste. Ou alors, il se trouve que pour ton secteur, c'est un petit nouveau qui a repris en main ton secteur et il t'a pas trouvé parce qu'il a pas les repères. Voilà. Quand on te dit qu'on veut pas privatiser la poste, maintenant, moi, je suis pour. Hein. Quand je vois cette qualité de service, je me dis le privé, il peut pas faire pire. Hein. Pareil pour la SNCF. Oh, la violence, ça a écrabouillé par les plaques. Oh, l'État, il a plus le temps de faire ça. Bon, je vais pas faire de la politique. Là, hein. Nope. Non, mais je comprends ta rage. Ouais. Ça se délite, ça fout le camp, ouais. J'ai rien contre les... C'est pas les facteurs spécialement le problème, parce que je sais que pour avoir fait un stage dans la poste... Après, à la poste, c'est comme dans tous les métiers. Hein. Il y en a qui font plus leur boulot, il y en a qui font juste leur boulot, et il y en a ils en font moins que ce qu'ils devraient en faire. Et il y en a ils font rien du tout. C'est dans la vie, ça, c'est pareil. Mais là, ça va vraiment pas. Ça doit être ceux qui sont les échelons intermédiaires qui font pas leur job. Comme d'hab. Oh non. Ah oui, je t'ai fait cramer. Ah, oh, trop tôt. Ah bah, encore. Oh merde. J'aurais pas dit mieux. Non, excusez-moi, mais d'après ce que j'ai compris, j'aurais dû le faire hier en fait. Ah, ils te laissent que 24 heures pour reprogrammer leur truc. Ah, ils sont drôles. Comme si les gens, ils peuvent vérifier tous les jours leur livraison. Ouais. Oui, c'est bizarre, comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Surtout le samedi, quoi. D'habitude, bon, je vérifie de temps en temps, mais là, bon. Je dois pas. Je frôle la correctionnelle. Oui, oula, je te vois, Dragon Sky, en effet. Dragon Sky, en prison. C'est pas comme le monopoly, Camus. Il va crever la prison. Jusqu'à quelle heure? Peut-être jusqu'à 16h. Ok. Après, tu pourras prendre ton goûter et puis nous, on aura basculé sous Minecraft. Waouh, c'est magnifique, c'est joli. Oh là, j'arrive du mal à suivre ma Bibi. Oh, il y a un dragon. Oh, bah ça me fait référence, ça va, tiens. Et Jeff, passe ton bac d'abord. Ah, bah oui, ça me fait référence, voilà. On n'entend plus Nash, j'espère qu'il va bien. Oh, magnifique. Ah, mais putain, j'ai coupé mon micro, mais je suis le roi des cons. Il est bien animé, en tout cas. Ah, bah voilà, je me disais aussi. Non, c'est moi, mon micro était coupé. Bonjour, feu. Pourquoi?
C'est du tout cuit. Bah. Surtout qu'à un moment t'avais écrit, donc je me suis dit, quand t'as écrit pour la guerre du Golfe, je me suis dit, bon, tu me diras. Oh, les scores sont serrés. Ah bah c'est 8-7 qui a gagné cette manche. Tu m'en sais, est très fort. J'ai... La guerre du Golfe, ben oui, par rapport à votre jeu de golf. Oh, bon, c'est quoi la blague cette fois, Nash? Allez. Une prochaine, allez, nouvelle c'est blague, Nash. La réunion c'est la réunion d'un alcoolique anonyme. Dragon Scroll. Ah, ouais. Non, c'est pas moi, c'est Nash. Non, des fans de catch. Non, vas-y, Edge, tu peux lancer, mais si. Je crois que tout le monde est au vert, donc ça passe, on perd personne. J'ai gagné un chapeau, je vais le mettre. Ah, tu as raison. Ah oui, tiens, tu as raison. Attends, moi aussi, je vais peut-être changer rapidement. Tac, 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 tac. Ah oh, oui, et j'ai un double chapeau. Il y a des filles dans les piscines tard le soir. Oh la vache. Qui fait ça? Avec une traînée éclair. Ouais, je suis prêt. Moi, la nuit, je dors sur une scène. Ou je regarde du catch. Ah, j'ai débloqué un chapeau. Un petit chapeau. Chapeau. Oh, je vais aller débrancher ma PS3. Ça m'énerve de voir la diode du convertisseur HDMI actif. Allez-y, hein, vous pouvez lancer. Voilà. Allez, petite carte hivernale. Vive les économies d'énergie. C'était le bon geste, diront certains. Vive la paix, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une bonne console. Enfin, c'était peut-être même la meilleure console de Sony. Ça reste à débattre. Laquelle? La PS3. Je sais pas, j'ai jamais eu. Y a pas de... Ah, j'ai sauté au-dessus du... Je peux comprendre qu'il y a une team PS2. Bah, la PS2 était bien, oui. Ah oui. Ouais. Personnellement, je préfère Xbox. Ouais. C'est un choix purement personnel. On est venu presque en quasiment en même temps là. Eh ben. Ah, je pensais que les gens qui étaient sur PC, ils avaient que des consoles Sony. Ouais, c'est le cas, j'ai que des consoles Sony, non, je rigole. Non, parce que non, je... Non, parce que moi, j'ai discuté encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. Hein. Ils m'ont dit, moi, je préfère avoir une console Sony parce que j'ai un PC puissant et donc j'ai pas besoin d'avoir une Xbox. Oh là là, mon Dieu, des boules de neige. Moi, j'ai un PC puissant, j'ai aucune raison d'avoir une console. C'est tout ce que j'ai à dire. Comme Quinten. Ah non, c'est l'inverse. Se faire écrabouiller par une boule de neige, ça serait drôle. Bon, j'ai terminé. Tinzen, si tu avais une autre console que la Switch, tu pourrais faire hein, les jeux. Hein. Pas besoin d'attendre un PC puissant. Mais non. Et tu peux déjà en faire pas mal sur Switch, hein, parce qu'il y a des portages qui ont bien réussi. Et tu l'as essayé Skyrim sur Switch. Nash. Sauvegarde. Allez hop là. Sauvegarde. Ça va pas, attends, je joue sur PC avec les mods, je vais pas m'amuser à l'avoir sur console. Sur console, je peux rien faire. C'est bien sympa quand t'as une exclusive console, mais à part ça. D'ailleurs, sur Hogwarts Legacy, il y en a, ils se font des mods Cop, Quidditch et compagnie déjà. Ah, c'est dommage, les consoles pourront jamais y toucher. Bon, après, ils peuvent le rajouter en patch et compagnie, hein, ou en DLC. Hein. Mais hein, celui-là, j'arrive pas, je vais prendre 14 points ou 15 points dans la figure. Ah, pour Skyrim, je sais pas, mais pour revoir le Gassi, il rachète le mod et après, il le met sur console, il l'adapte. Oh, stupide boule. J'espère qu'ils feront pas comme GTA où ils ont viré tous les mods qu'on fait pour améliorer la trilogie, quoi. Ce qui était bien meilleur que ce qu'ils ont fait eux, d'ailleurs. C'est pas compliqué de faire pire, quand même.
Mais bon. Ah oui, ça y est, enfin. Et là où ils sont partis en même temps. Bien que j'avoue. Oh, limite de quoi teinte. Oh non. Bien voilà. Que j'avoue. Ils mangent un 14. Hein. Bien que j'avoue que sur Vice City, j'ai pas rencontré de gros bugs. Non, mais c'est tout le reste. Je veux dire, ils ont fait. Oh, mais. Oh là là, c'est pas possible. Moi, ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'ils sont partis d'un portage mobile pour faire une sortie PC et console. Ça, c'est. Oh, ça mais c'est fort, c'est vrai. C'est fort. Tue. Mais à quel moment tu fais ça? Oui, c'est vrai que c'est tellement. C'est étrange. À quel moment? Ils auraient dû partir sur la base PS2, ça aurait été mieux, mais bon. Oui, ils auraient dû faire un vrai remaster, pas juste partir d'une version HD qui était sortie sur, sur version mobile. C'est vrai qu'en faisant une comparaison au sport automobile, c'est vrai que la logique, c'est comme si on disait « Oh, bah, je suis content, je vais concevoir un kart. Puis on va l'optimiser, puis au final, on va en faire une Formule 1. » Wow! C'est violent. Bien qu'à la base, les pilotes de Formule 1 font des kart. En général, ouais, c'est 90% d'entre eux, ouais, ouais, ouais. Il y en a quelques rares qui sont venus du monde du rallye ou d'autres disciplines et qui sont passés directement à des formules intermédiaires avant le kart. Mais ouais, 90% des pilotes de F1, ils sont passés en championnat de karting quand ils avaient 15-16 ans. Bon, après, Elo, il dit qu'il y a besoin d'un remake, mais ça, c'est Elo, lui, et son allergie aux jeux anciens. Un bon remaster aurait suffi, je trouve, mais un peu amélioré. Mais bon, je t'avoue que jouer le jeu avec le gameplay de GTA V, c'est quand même agréable. Le mappage de touche PS2, il est horrible. Hein. Enfin, j'y arrive pas. Allez, pousse. Oh non, oh non, pas essayer. Eh ben merci à vous d'être là. C'est bien, on est tranquillou. Ça change du camion. Ouais, bon, ce sera dans 15 jours les camions. Camion. Et Minecraft, ouais. 3 semaines. Et peut-être d'ici là qu'il y aura le retour du dieu de la pluie. Aussi, je sais pas si j'aurais résolu peut-être. Le truc, ouais. On verra. Non, mais s'il y a plus de... Trop rapide. Il n'y a pas de problème, ça peut prendre son temps. On verra. Non, pas cette force. Et on n'est pas pressé non plus. Hein, non. Ah non, mais depuis qu'il n'y a plus Dieu, je n'entends plus les prières de la pluie, quoi. C'est triste. Ouais, il n'y a pas cette ferveur de la part des gens. Ah ouais, clairement. Déjà, moi, tu l'as pas. Pour le peu qu'il y a de ferveur, faudra augmenter le prix des cotisations. Voilà. Ah putain. Plus vous êtes nombreux, moins il y aura de cotisations. Et moins vous êtes nombreux, plus il faut... Ah, c'est les fameux looping de Sonic. Ouais, c'est ouais. Ça. Oh merde, je me suis éjecté hors, justement. Il fallait que tu fasses la remarque pour que je merde mon coup. J'ai pas fait ça, et c'est... Non, mais tu peux rien, mais... D'ailleurs, j'attends. T'es déconcentré. J'attends toujours mon lieu de culte. Ah. Oh, ça... Hey, t'as déjà ta rue. La première rue qu'on a nommée, c'était à ton nom. Et oh, fini, oui. Avec mon lieu de culte dedans. Ouais, ouais. Oh, bon, elle sera peut-être au bout de l'allée. Hein, quand méfie-toi. Quand le temple pour Pompon, je ferai une section dédiée à toi. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais. Je troll un peu. Ouais. Une avenue Pompon avec des statues de Pandarou à chaque côté, ce serait stylé, non? Je souhaite que ce soit un mélange de tout. Hein. Les gens ont toujours le chic de me téléphoner un dimanche après-midi. C'est un truc de fou. Hein. Qu'est-ce que je fais, moi? Ouais, les gens sont embêtants. Mais il faut dire, soit... Madame, messieurs, vous voulez pas pour des volets, du chauffage, ou je sais pas quoi Ouais, il y a toujours des... Tu leur réponds, je veux pour un meilleur salaire. Non, mais c'est... Ça... Je veux pour une vraie retraite. C'est énervant. Ouais, mais ouais, et quand c'est pas ça, c'est le truc du CPF, hein. Ça c'est... Mais il faut que ce soit, comment dire, ce lieu de culte, il faut que Oh, ce j'aime soit... bien ça, le truc façon... façon du bowling, je sais pas quoi, là. Façon bibille. Oh, non. Donc,
Le lieu de culte, il faut que ce soit un mélange entre, pour que toutes les religions se retrouvent, pour que je sois la seule et l'unique. Donc il faut que ce soit un temple, que ce soit une église, comment dire, une synagogue, une mosquée. Il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Ça portera un nom, ça portera tous les noms, c'est comme ça. Non, ce qui serait bien vraiment, FunFan, c'est que un jour t'achètes ta licence de Minecraft et que tu nous rejoignes vraiment et que tu te prennes au jeu, crois-moi, pour te détendre, tu vas apprécier. Je sais pas si je le ferais vraiment. Ah, tu vas louper alors, quelque chose. Ça passe, mais à jouer, je pense pas. On verra. Peut-être que la prochaine grosse mise à jour qui arrive au printemps, la 1.20, va t'en mettre plein la vue, parce qu'il va y en avoir du contenu additionnel. Oh oui. Et puis, j'ai pas envie de m'envoyer la pu à moi-même, quoi. C'est débile. Oh l'autre. Mais d'autres le font pour toi. T'en fais pas. Tu n'as pas l'exclusivité du mode dieu et de l'interface de ma boutique. Je ne sais plus ce que j'entends. Ouais, j'ai l'impression que... Vu qu'il n'y a que moi qui l'utilise, des fois je me pose la question. Pour le moment. Moi je fais pop des zombies, je fais des gars devant des torches. De temps en temps. Bah là par défaut, oui, EJ, tu vas pouvoir entre guillemets jouer à ta manière, c'est vrai que. Oui bah après il y a un cooldown. Oui, bah oui. Oui, attends, faut pas abuser non plus, parce que côté joueur, ça déséquilibre à mort après. Il y a certaines options, croyez-moi, j'ai longuement réfléchi en me disant je fais quoi ? J'autorise une fois toutes les demi-heures, une fois toutes les 4 heures, et puis quel prix en berga ? C'est pas facile de jauger un bon équilibre. Il y a Nayone qui est revenu, peut-être qu'il va revenir avec vous. Oui, il passe quand même. AOE, excellent jeu. Tout ce que Twinsen déteste. Bah là, on est peinard au mini-golf encore une bonne demi-heure. Et puis quand EJ partira en goûter, on fera la bascule vers Minecraft. Non. Juste pour voilà. Dragon Sky ne veut pas qu'EJ goûte. Non, parce que j'ai dit non parce que j'ai fait une bêtise avec la bille. Ah non, mais j'en ferai un clip parce que au moment où il dit EJ pour aller goûter, il fait non. Non. Il aurait dit mon waouh dans avec Aerostar. Ouais, un peu de ça. Oh, c'est la chute. C'est la chute. Mais ceux qui veulent pas aller sur Minecraft et qui veulent éviter que je me retrouve tout seul, je suis là moi. Oui, bien sûr, EJ. Oui, n'hésite pas. Hein. Ah, il a fait 3 en 1, le sage. C'est cool. Quand j'ai vu la première fois ce jeu, il était en anglais à la base. Yes, it is, of course. Non, mais le jeu... Oh là 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 là, mais je suis dans état de grâce depuis une minute, c'est merveilleux. Il a fait encore un tour en 1. Je sais. Golf. Bon jeu, mais je peux pas me rejoindre de suite. Ah. Oh là, c'est la descente aux enfers. Fais chier. Ouais. Oh, c'est énervant ces vieux jeux là. On a un souci, on n'arrive pas à jouer à Star Wars Battleground là. C'est dommage. Dès qu'on est Game Ranger, le jeu il plante toutes les 10 minutes, 5 minutes, ça dépend. On nous dit erreur de synchronisation. Alors, fais bien d'en parler, EJ. Amachi, je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai reçu un courriel il y a quelques jours, normalement d'Amachi, je pense qu'il était authentique, qui disait qu'ils se sont fait pirater en novembre dernier. Qui se seraient fait voler des fragments de données cryptées sur leur réseau et ils invitaient tous les anciens utilisateurs d'Amachi à changer leur mot de passe. Oh.
C'est marrant, je suis mail, moi. Non, mais pourquoi il me pousse? Ouais, c'est bizarre. Oh, mais moi, je m'en fous, j'en ai marre. Tant pis, petit. Voilà, mais limite de coup, je me prends 14 points dans la figure. Paf, j'ai fait un très mauvais score, je suis désolé. Moment, mais toutes les sociétés, elles n'y arrivent pas. C'est des projets qui ont été piratés l'année dernière. Steam, ils ont été piratés. Twitch, ils ont été piratés. Ils sont tous piratés en ce moment. Ouais. YouTube et Google un jour aussi. Ce serait bien, Google, ça calmerait un petit peu. Moi aussi, j'ai reçu cet email dans le doute, mot de passe sensuel. Alors, le problème que j'ai avec Amachi, c'est que comme je l'ai utilisé très peu, je sais même pas ce que j'ai mis comme mot de passe, je sais même pas ce que c'est mon nom d'utilisateur. Non plus, je sais plus. Limite, j'ai envie de le supprimer, puis c'est réglé, puis je reviens l'année prochaine. Plus oui, fort. Puis, sans offense, FunFan, je pense que si tu avais reçu le mail d'Amachi, tu aurais pas compris ce qu'il en retournait, puisque c'était rédigé en anglais. Oh bah c'est le sage qui a gagné. Ne t'inquiète pas, le sage, je peux les traduire. Hein. Ah bah c'est bien. Ah oui, quand même. Amachi. Je sais même pas sur quelle adresse email je les avais, j'en ai deux. Et c'est pour les cours d'anglais. Ah Nash, il rebondit tout de suite. Ah ouais, j'avais utilisé ma perso. Oh la vache, c'est inquiétant. Ah, ce sera peut-être la bonne occasion de changer d'adresse email, tiens. Un autre parcours, un autre parcours, s'il vous plaît. Non, mais j'ai pas gagné de chapeau, fais chier. J'ai gagné des traînées, mais pas de chapeau. Chapeau, 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 chapeau. Comment ça qui m'offre un kebab? Alors, t'as faim à cette heure-ci, Twinsen? Oh là là. Y'a pas de kebab. C'est triste, mange plus à ta faim, Smith. J'ai reçu le Hamachi. Les Hamachi. Le 3 février. Moi, j'ai rien reçu, bizarre. J'ai fait ta course. Kebab, ça le fait. J'ai Hamachi dans mes adresses email, mais j'ai rien reçu. Bizarre. Oui, c'est bizarre, oui. Parce que je suis pas concerné par le pire. Le labo, le labo. Ouais, le labo, le labo. Laboratoire. Il n'est pas évident. Oh. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? C'est quoi ce truc? Ah ouais, c'est des téléporteurs, d'accord. C'est ça. Qui vont vous rendre fou? Comme Portal. Ouais. Oui, il y a Twinsen qui m'invitait à faire Portal 2 parce qu'il pourrait me le faire avec moi en téléportation, j'allais dire. En coopération. Oh, j'ai fait un truc de fou, c'était joli. Il faudrait presque même que je me reprogramme prochainement à faire le 1. Parce que j'avais fait dans mon coin quand il était sorti Portal 1, j'avais adoré, mais je m'en souviens plus du tout. Et enchaîner effectivement avec le 2, avec Twinsen en coéquipier, ce sera avec plaisir. Mais je sens que ça va pas être cette année, parce que j'ai tellement de jeux à faire que... Et là, je suis lancé sur des pas mal. Vous deux en cop avec vos ordinateurs, ça va être lent. Oh la vache. Oui, vous allez avoir droit à un diaporama de capture d'écran commenté. Ouais. C'est ce qu'on a eu hier pour le catch, tu te souviens, Étienne? Oh les boules. On avait un diaporama de catch. Non, ça bloquait. Avec des têtes bizarres. Ouais. Ah, des ventilateurs. Rigolo. C'est ça. Non. Pas gagné de nouveaux chapeaux, en tout cas. Ah, des lasers. Oh oui. Non mais c'est complètement vrai. Oula. Non. Oh mais j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais cramer. Moi aussi. Effectivement, il est dur ce niveau-là.
vie. Oh. Oh. Ouh. Je pouvais prétendre. On dirait du Jean-Michel Jarre. Ouais, on dirait du Jean-Michel Jarre en musique. Ah, j'aime bien la musique. Ouais, pareil. C'est très relaxant, c'est très, très cosy. Et nous, entre nous, on est très cosette. C'est ça qui est beau. Ah oui, c'est des lasers intervalles réguliers. Eh oui, passez au bon moment. Là. Je vais hurler. Ah mais. Je vais hurler. Mais non, mais non. Coupe ton micro et gueule un bon coup. Là. Hop là. Non, ça va. Peut-être cramer 2-3 maisons et puis ça ira bien. Hein. Là. Au secours. Cramer la Bretagne là. Non, bah, pour l'instant sur ma liste, il y a Nancy, la Provence, je crois qu'il y a la Normandie aussi. Et les Vosgiens. On a les Vosgiens. Le sud-ouest aussi, c'est sauf. Non, les Vosgiens, non. On peut avoir la Picardie aussi. C'est juste un problème avec quelques Picards. J'ai pas de problème avec les Picards. Hein. Ah. C'est plutôt eux qui ont des problèmes. Ah. Oh, il faudra que je trouve des piques assiettes. Oh voilà, j'ai été puni. Le karma, il m'a dit nope. Bon, t'inquiète, je ferai, pendant que tu feras cramer une partie de la France, je ferai moi la Picardie pour que ça tombe dessus. Ah, salaud. Ouais. Autant cramer une pierre de cou. Ah ouais, d'accord. 6 coups, voilà. Autant cramer une pierre de coups. Oui. Je vois que la fraternité entre modérateurs n'existe. Oh. Ah si, elle est toujours là, Je prendrai ma part de responsabilité. Oui, oui. On sera vraiment rongé par le remords, mais... Ah bah oui. Et en plus, faire cramer les picards, ça fera beaucoup de steaks cachés. Des steaks cachés picards. Avoue que t'as honte. Quelle horreur. À la honte. Il est où le piège là? C'est fou le piège. On n'a pas vu. On s'est fait tout savoir comme des idiots. C'est ça. Oh. Brûlez tous. Oui. Bonne brûlure. Ah. Qui c'est qui est rentré d'un coup là? C'est moi. Oh la vache, je suis bien joué. J'ai réussi. Moi si. Oh, dommage. Bien tenté. Trouver le bon truc, le bon timing. Pour éviter les lasers. Le timing. Le timing, j'ai dit. Hein? Pas dit autre chose. Hein. Oui, j'ai rien dit. Il y en a qui vont penser autre chose, voilà. Après, après, on dit que c'est moi qui est en train de déformer les mots. Non, mais j'ai compris timing. Oh, c'est joli, les petits téléporteurs, ça fait penser vraiment. Vraiment un portal là. Parce que, avec la succession de téléportations là. C'est fait hommage. Merde, je sais même plus viser. Ah. Perdu bêtement un coup. Ah putain, je vois pas la flèche. Onzième. Ah! Je suis tombé dans un
guet-apens. Qui est au pif. Je suis tombé dans un dans une zone complètement au pif. Où j'avais 4 téléporteurs autour de moi. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai piégé. Et où le drapeau? Ouais, avance, et tac tac tac, bouffie. Non! Je gâche des coups. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh joli, j'ai bien misé. Oh, Nash qui est parti dans le décor, oups. Je voulais ramasser des myrtilles, mais. Ouais, ça va, je me défends. Oh là là, oh là là, ça j'aime pas ça. Mais c'est quoi ce niveau? Oh, j'aime pas ça. Ce laser là qui réfléchit à travers les miroirs. On va passer vite. Un laser avec 2 miroirs sur le côté. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Waouh. Ah, merde. Le petit toboggan magique. Magique, je sais pas, mais toboggan, oui. Ouais. J'ai réussi à faire en 2 coups. Non, non, moi j'ai fait de la bise. 4 pour moi. J'ai fait en 2 coups, voilà. Oh là, avec les pressoirs. Oh oui. Vite. Oh bah, crack, ouf. Crack. Voilà, je suis mort. Voilà. Intéressant les scores, intéressant. Ouch. Oula. Qu'est-ce que c'est ce parcours de fou? Ah mon Dieu. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Okidoki. Voilà, ça passe. Encore des lasers intervalles. Oh, pour le niveau nage. Oh là là. Ouch, ouch, ouch. Oui, bien. Quinsen. Et le final dans la salle des serveurs. Oh non! Oh, comment je me suis retrouvé là, moi? C'est nul. C'est bon. Ouais. GG. Bah, c'est toujours toi qui remporte encore cette manche, hein, le sage. Oui, merci. 48 points. Mais vous avez pas démérité. Alors, quel est le prochain sujet, Nash? Là, je suis plus inspiré, là. Je sais pas, moi. Je sais, je pourrais. Ah.
Non. Ah non, non, surtout pas ça. Alors là, si vous voulez vraiment énerver FunFan, faut pas qu'il regarde. Non, 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 non. On veut pas d'histoire. Aïe, 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 aïe. Ça va, je troll, je troll. Je me sens tellement disponible. Oh, oh. Aïe, 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 aïe. Non, je recommencerai pas. Allez, je vais surenchérir. Le temps de choisir une autre carte, mon cher Edge. Voilà, ça c'est fait. Oh, j'aime bien faire par web oh, en plus. Oh non, ça se fait pas des trucs comme ça. Le choix d'aller se faire voir chez les Grecs où ça se sort dessus. Voilà. On a fait le tour de la question. Le tour de la question. Bon bah tout le monde est présent, je crois que tu peux lancer, Jay, merci. Ah, on est en Grèce. Ah oui. Ne rien dire. Oh, 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 oh. Ne rien dire et laisser faire. Alors, Torota nous dit, si vous voulez, j'ai un sujet pour vous. EDF a perdu près de 18 milliards d'euros de pertes. Oui, j'avais lu ça, sachant qu'ils ont repris pourtant potentiellement des couleurs, dans le sens qu'ils ont eu à nouveau des abonnés par rapport à la crise, et qu'il y avait plein de prestataires tiers d'énergie qui ont coulé. ils ont retrouvé des anciens clients, en fait. Oh, bah non, je suis tombé dans le vide. Tombé dans les limbes. Mm. Ah, tu ne sais qui dit, j'étais pas au courant. Bravo. Bah, il est où le trou? Ah, il est là, entre les enceintes, d'accord. Mm. Ah, faut avoir le coup d'œil, hein. Il y a certains parcours. Il y a le détail, si vous regardez les enceintes, merde, on n'aura pas le temps de voir, mais... Ah oui, oui. Il y avait le détail des branchements derrière, c'est trop bien. J'ai l'impression qu'ils ont pris un vrai modèle 3D de démonstration. Trop stylé. Ah, c'est fort. Je suis arrivé sur la tranche. Mmh. J'étais pas au courant. Bonne blague, Quinsen. Sur EDF. Eh, ah bah heureusement que t'es parti parce que il y en a ils ont marqué un truc, j'ai dit oh, s'il voit ça il va s'énerver. Ah oui, j'avais dit pour Edge. Oui. Worms 4, tu l'as ou tu l'as pas? Je l'ai. Que je l'ai. Comme je pars, c'est le. Comme ça doit être un des projets futurs. Mais non, je reviens au point de départ. C'est ouais, pas juste pour rembourser. Que j'essaye de voir pour le multi s'il peut utiliser un Game Ranger ou si le multijoueur du jeu suffit à lui-même, tu vois. Ouais, ouais. Je sais pas si ça a été lié. Il permet de faire des parties multijoueurs sur Worms 4. Hein, pour bah, ça. Si tu... Là, tu l'as le jeu actuellement. Elle est donc cette tricherie abominable là. On peut l'installer si ça peut aller assez vite. Si mais non, mais c'est pas parce que si tu veux après, on va faire le golf à monter. Jusqu'à 16h. Si tu veux après, on pourra essayer. Ouais, ouais, tout en faisant la modération, mais juste voir comment ça fonctionne, pourquoi pas. Je vais l'installer là. Je pense pas que je l'ai mis. Je pense pas que c'est un gros jeu vu qu'il date. Et... Mais bon, on est dans les poissons. Non. Worms Armageddon se suffit à lui-même, je vois pas pourquoi Worms 4 qui est plus moderne. Par contre, c'est une ultime édition de luxe, ça va pas causer de problème, j'espère. Non, non, je pense pas. Ah, je vais peut-être. Ah, il est qu'en anglais, ils l'ont pas en français. Ah, attends, il semblait qu'il avait. Quoique Armageddon, ils avaient dit qu'il était qu'en anglais, on a pu le mettre en français. Ah,
Si le programme est semi-ouvert, c'est-à-dire qu'il peut se modder, en cherchant bien, tu vas sûrement trouver quelqu'un qui s'est fendu d'une traduction à chaud en français par-dessus, quoi. Ah ouais, anglais, ça se fait de plus en plus. Ah, c'est bon, il marque anglais, mais l'audio... Angers, schnack. Il marque les tests en français, mais l'audio en anglais. Il suffit juste que je mets les worms dans la langue française et ils peuvent parler français. Double peut-être tranché. Il n'y aura que le championnat, peut-être que je ferai en anglais, du coup, mais c'est pas grave. Oui. Mieux d'entendre let's go, j'entendrai yes, sir. Bon, je laisse ça, il me faut une minute pour le télécharger. Après, ceux qui sont intéressés par Worms 4, vous êtes les bienvenus. Normalement, on garde les mêmes et on recommence à peu près. Bon, il n'y a que Dragon Sky, je sais pas s'il sera intéressé vu qu'il a eu un peu du mal avec Armageddon. Qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Oui, je refais mon parallèle par rapport à ce parcours de golf. Au niveau des corps, je repense au Far Cry 3 Blue Dragon que Christella a fait tout récemment sur sa chaîne. Ah ouais, le jeu rétro, oui. Il est pas rétro. Et je crois que c'est toi qui avais dit l'ambiance Tron aussi, c'est vrai. Il est rétro, c'est un jeu qui sort. C'est plus ambiance années 80, un peu style rétro que là comme le graphique du golf qu'on a en arrière-plan. Il est rétro puisque c'est un jeu qui est sorti il y a 10 ans sur PS3 360. C'est pas rétro, je pense que c'est. Ah non, c'est pas rétro. Rétro, c'est encore plus vieux. Ah, pour moi, le rétro, c'est deux générations de différence. Après, il y a des générations de rétro. Il y a le rétro 3D, le rétro 3D et le rétro 2D. C'est comme ça que je le vois. Mais ça, c'est le nouveau rétro. Je sais, c'est con à dire, mais ouais. Le néo-rétro. Le nouveau. Néo rétro. Ouais, c'est la dernière génération du rétro. Non, après il est sorti aussi sur PS4, j'ai vu, mais bon. Et le rétroviseur. Ouais. Il est en forme tout une scène. Hein. Non, pour moi il est rétro. C'est très détente la musique là, je trouve. C'est relaxant. Avec le petit mélange de saxo là. Il a eu chaud, Nash, avec les shurigen. Là, je vais jouer avec le feu là. Ah, dommage. Qu'est-ce que c'est ce truc encore? Merde, j'ai merdé mon tir. Truc de foufou là. Je vois pas où il est arrivé. Mais Nash il est au bord. T'as vu où je suis là? Ah ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Oui. Bien. En 3 par EJ, Nash. Bien, bien, bien. Je suis content depuis que j'ai la fibre, tous les jours je change d'adresse IP. Chaque fois que je redémarre l'ordi, c'est rigolo. D'un point de vue sécurité, c'est bien. Oh, j'ai fait un joli par. Ça, c'est pas juste. Birdie, avec là. Ouh, ça découpe en contrebas. C'est oui, vicieux. Oui, je vois ça. Je vois c'est ça.
Bon, ça va, t'as... on va dire que t'as plutôt limité la case, ça aurait pu être là. À gauche ou à droite, au pif. Au pif, au maître. Ok, beau. Ah bah. D'accord. Bim. Mais tout à fait. Avec les beaux poissons, les carpes koi, on appelle ça, je crois. Exact, c'est ça, c'est bien des carpes koi. Ils sont bien modélisés en tout cas pour, pour un jeu qui est un peu daté, comment dire. Daté, je sais pas, mais oui, c'est du beau travail d'artiste, oui. Bah, pour l'anecdote d'ailleurs, je remercie AJ une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais acheté le prédécesseur de ce jeu-là, qui n'était pas ouvert. C'est-à-dire qu'il pouvait pas, il n'y avait pas d'éditeur de niveau, il n'y avait pas de carte de facto de la communauté. Il n'y avait que 4 mondes. C'était Golf Galore. Et si je me souviens bien, que je dis pas de bêtises, quand vous regardez le crédit des deux jeux, vous constatez que le créateur de Golf Galore s'est associé à quelqu'un pour que Golf Galore soit nettement amélioré et devienne Golf Around. Ah, j'ai loupé mon premier coup, comme prévu. Ouais, c'est bon, j'ai acheté un jeu de golf intéressant. J'ai trouvé ce jeu-là et je me suis dit, tiens. Il est 4 heures à la bonne heure. Il y a Golf with Your Friend aussi. C'est autre chose, Golf with Your Friend. Enfin, c'est autre chose. C'est le même principe de jeu. C'est vrai que c'est un mini-golf qui est aussi ouvert en éditeur et en multi. Mais c'est pas du tout la même équipe de développement puisque c'est sous bannière de Team Eleven, ceux qui font justement les Worms ou entre autres The Escapist ou The Survivalist. Je savais pas que c'était eux qui étaient avec ce jeu-là. Si, si. Team Eleven. Passe ou ça casse. Yes. Bah, AJ, comment t'as réussi à passer? Les trucs sont pas coordonnés entre les joueurs. On voit pas la même chose sur les trucs animés. Il y a un décalage, ouais, pour le multi. Oui, il y a un décalage aussi, oui. Tu dois me dire qu'il faut pas passer par là. Oh oh. J'ai tombé dans le trou. Voilà, pouf, bien fait pour ma tronche. Oui, c'est la team 17. Encore bien fait pour ma tronche là, hop. Ah oui, 17, pardon, je dis 11. Alors ça c'est Fun Fat qui m'a lobotomisé. De quoi? 11 en anglais, tu sais ce que ça veut dire? 8, non? 11. Bah. Ça veut dire 8, t'as dit? Je démissionne. Oh mon dieu. Ah. Merci, Twin Sen. Oh non! Et en quoi je t'ai lobotomisé? Le nombre, à ton avis. Ah. Comment pourrait-il en être autrement? Ah, le nombre 11? Ah oui. Bah oui, comme un idiot qu'on vient de l'écrire parfaitement, tu une scène, mais il faut le lire en anglais. Moi j'ai dit de Team Eleven, mais non, c'est pas l'équipe 11, c'est l'équipe 17. Nous avons le plaisir d'accueillir la boule dans les roues. Quoi? Eh, elle est censurée? Elle a dit dans les roues? Poupon. Oh, c'est génial. Les Québécoises qui sont en censure. Ah, elle est bonne, celle-là. Oh non, 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 non. Oh, oh. Bonsoir, Poupon. Salut, Poupon. Re-Poupon. Re-Poupon. Mais c'est fortiche, hein. Le coup de la... La Québécoise qui censure la roue. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou.
Oh mince, que... je suis nimp. Bon, sur les temps passants, c'est pas. Est-ce qu'elle va censurer aussi les blonds et les bruns? C'est la question. Mmh. Pas toujours non, la. Non, je passais pas là. Voilà. On fait du golf entre copains, voilà, tranquillou. Mmh. Hein. Bon, bah vas-y, mais... Mmh. Bon bah moi j'ai fait le pire score, hein, 92. Oh. Bah l'important est de participer. Voilà. Pas du 92. Hein. Allez, prochain... non, la prochaine question, c'est quoi la question? Voulez-vous partir sur Minecraft, il est 16h. Bah j'ai presque envie de dire, c'est toi le maître de jeu, Edgey. Si t'as envie de goûter un peu plus tard, n'hésite pas à relancer un autre parcours. Ou si tu veux goûter maintenant, effectivement, on va repartir juste après sur le Minecraft en fait. Avec Nayone. Non mais je vais prendre un goûter, je commence à avoir faim. Bon bah merci, on va partir sur Minecraft, mais c'était bien, merci. Un achèvement. Bon bah on va filer sur du Minecraft. Bon goûter à toi Edgey, merci et d'avoir participé et d'avoir hébergé. De rien. Ah, merci tout bien. Ah, tu m'entends mal, Poupon? C'est vrai que je suis un peu éloigné de mon micro.